Bonjour, alors ce midi en zappant pendant la pub de TF1, je suis tombé sur Timothée, donc le fameux Timothée des 12 coups de midi. Donc voilà, et donc il était candidat à Tout le monde veut prendre sa place. Alors bon, alors là je suis vraiment désolé pour les captures d'écran, mais sur France 2, quand vous allez sur le replay, quand vous appuyez sur pause, voilà, donc vous avez le carré pause. Donc je trouve ça vraiment très moche. Donc c'est pour ça que je parle très peu des émissions de France 2, à cause de ça, parce que voilà. Et puis bon, comment dire, mon logiciel de capture d'écran est pas super, donc voilà, on verra peut-être un jour si j'en trouve un meilleur, si vous avez des idées. Et puis sinon, voilà, donc le Timothée, il a parlé de ses vaches. J'ai attendu pendant j'ai attendu le fait de savoir quand Nagui allait parler du fait qu'il était vegan, etc. Donc mais bon, comment dire, il en a parlé, mais en étant assez cool avec les agriculteurs qui respectent leurs bovins. Et puis sinon, il a eu une question, des questions assez faciles. Donc il a pu passer au deuxième palier. On a pu voir qu'il avait toujours de très beaux yeux. Donc voilà. Et puis sinon, après, donc il a raté une ou deux questions. Et puis à la fin, c'est Vanessa qui a dû affronter donc le champion de l'émission. Et puis Timothée, il n'est pas tombé très loin, mais donc voilà quoi. Et puis en son hommage, qu'est-ce qui fait meuh et qui est vert? La vache. Kiwi. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.